Aujourd'hui, c'est physio. Après le CPNE à Neuchâtel, le salon de la formation à Moutier, le plaisir de vous accueillir ici sur le campus de la Haute École Arcade de Léman, car nous allons, dans cette troisième émission, parler physiothérapie au travers de l'entretien, de vue d'ailleurs, des témoignages. Il y aura aussi la rubrique 20 ans de boîte et puis d'autres surprises. Soyez les bienvenus. On parle physiothérapie aujourd'hui avec Maxime Guinchard, responsable de la filière, et puis vous, Paul Vermeaux, conseiller pédagogique de la filière physiothérapie. Vous connaissez le principe maintenant, messieurs. Quelques petites questions pour vous mettre dans l'ambiance. Je vais vous demander si vous êtes plutôt épaule ou genou. Oh, genou. Plutôt épaule. Vélo de course ou course à pied? Vélo. Vélo aussi. Isostar ou Cuba Libre? Cuba Libre. Isostar. Birkenstock ou Skechers? Birk avec chaussettes. Skechers. Massage ou ultrason? Aucun des deux. Aucun des deux. Medicine Ball ou Alter? Les Alter. Parle-moi Medicine Ball. Et puis une question spécialement pour vous, rasoir ou tondeuse? Ah bon, tondeuse, je maintiens l'illusion. Tondeuse aussi. Ah, on aurait dit rasoir. Même, c'est une belle tondeuse. Très bien, messieurs, on a fait connaissance avec vous sur ces petites questions. Merci de vous être prêtés au jeu. On va maintenant parler beaucoup plus sérieusement de la filière du nouveau bachelor en physiothérapie. Comment est-ce qu'on construit une nouvelle filière et une équipe pédagogique? C'est un travail de longue haleine. La première chose qu'on a fait, c'est définir quelle était notre vision du métier. Et puis, quelle était notre vision de la formation? On doit composer une filière, on doit être plusieurs enseignants, plusieurs responsabilités. Il faut trouver les bons profils, donc les profils physiothérapeutes, qui vont permettre de couvrir l'ensemble des domaines pour la formation. En fait, on s'est tout simplement posé la question de « je suis patient, demain, j'arrive voir un physiothérapeute ou une physiothérapeute, qu'est-ce que j'ai envie, moi, en tant que patient, d'avoir comme professionnel en face de moi ?» Et à partir de cette question, bah évidemment, on a ce côté patient, ce côté aussi professionnel. Et puis, on a constitué l'équipe aussi sur ce modèle-là, puisque dans l'équipe, on a même une patiente partenaire qui représente cette vision justement patient au sein de l'équipe. Et puis, des professionnels spécialisés sur les domaines de la physiothérapie en lien avec justement d'autres domaines et d'autres professions. Quelles sont les caractéristiques qui marquent que cette filière, elle est vraiment d'ici? Qu'est-ce qui fait la différence ou la spécificité du site de Léman? Ça va être sa taille. Puis sa taille, ça va aussi avec cette proximité qu'on pourra avoir avec les étudiants. Puis vraiment ce suivi qu'on va faire de l'étudiant pendant sa formation jusqu'à la sortie et la mise sur le marché du travail. Intéressant aussi de voir que quasiment tous ou tous les étudiants qui suivent cette première volée sont issus de l'arc jurassien. Ouais, on a cette chance-là sur la première volée. Un profil d'étudiant 100% béjune. Trois cantons. 100% Béjune, c'est aussi une grande majorité des partenaires dans lesquels ils vont faire les stages. Donc cet ancrage, on le retrouve vraiment à ces deux niveaux-là. Première volée, est-ce qu'après 6 mois, Paul, on peut tirer un premier bilan parce qu'on a construit cette filière? Puis tout à coup, les étudiants sont arrivés, ils sont là. Et au bout de 6 mois, qu'est-ce qu'on se dit? Après 6 mois, on se rend compte que déjà, tout le monde s'est donné. Tout le monde s'est engagé, investi pour le lancement de cette filière. Et c'est vrai qu'on l'a vu à la fois pendant les cours, mais aussi avec les examens et les résultats d'examen. Les résultats sont très bons. Les étudiants ont joué le jeu, ils étaient stressés avant. Et on est vraiment fiers, je pense, de la qualité qu'on a pu avoir. On ne peut que remercier en tout cas aussi les décideurs qui nous ont aidés, parce qu'on a des locaux qui sont neufs, qui ont été pensés pour les études, qui ont pu être adaptés. Donc on a des modalités, par exemple, d'examen où les étudiants sont déjà examinés face à une relation avec des patients simulés, des patients comédiens, et où on peut jouer ce rôle professionnel directement. Donc, c'est des examens qui sont exigeants. Et là encore, les étudiants ont répondu présent avec un niveau d'exigence et d'attente envers eux-mêmes qui était vraiment, vraiment remarquable. Donc, tout va bien. Après 6 mois, on va finir l'année. Mais après,
enchaîner avec une deuxième année, une troisième année. Au total, ça sera 75, voire un petit peu plus d'étudiants qui seront sur le campus de Léman. Ça veut dire, messieurs, que le travail n'est pas fini. Le travail n'est pas fini, il y a encore des coups de collier à mettre. Mais je pense qu'on peut vraiment capitaliser sur la très bonne base qu'on a pu construire jusqu'à maintenant. On a sondé aussi les physiothérapeutes de l'Arc Jurassien. Et puis, grâce à ces données-là, on pourra construire aussi des formations continues en fonction des besoins locaux. Et puis, il y a des formations qui vont voir le jour prochainement. Merci beaucoup, messieurs. On va suivre cette émission en se rendant du côté du Noirmont avec la rubrique « Vue d'ailleurs ». Séverine Huguenin, vous êtes physiothérapeute, vous êtes responsable des secteurs physiothérapie, ergothérapie ici à la clinique du Noirmont. Quel regard vous portez sur la possibilité de suivre le bachelor en physiothérapie à la Haute École Arc sur le site de Léman depuis septembre dernier? Alors, il y a l'opportunité pour les étudiants de pouvoir suivre cette formation plus proche de chez eux. Si je me positionne du point de vue de la responsable d'équipe et de l'employeur de l'employeur potentiel, la possibilité d'avoir une école sur place représente aussi un attrait pour la région, pour le recrutement de futurs collaborateurs. Le but, quand vous recevez des stagiaires, c'est de leur montrer quoi? C'est de leur apprendre quoi, surtout au tout début de formation? Donc en première année, c'est vraiment de pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont vu à l'école, pouvoir expérimenter ce qu'ils ont vu à l'école, rentrer en contact avec des patients aussi, l'approche d'un patient, comment on communique avec, comment on se positionne. Ça, c'est toutes des choses que je pense qu'ils apprennent presque qu'en stage, ou en tout cas, c'est là qu'ils l'expérimentent et qu'ils se font confronter à la réalité du terrain. Un bon physio, c'est quelqu'un qui déjà va être à l'écoute de son patient, va adapter sa prise en charge à ses besoins, et qui va s'actualiser, rester au contact de l'évolution de la science, continuer de se former. Il faut des qualités techniques, il faut des qualités humaines pour pouvoir être un bon physiothérapeute. Donc au final, c'est très varié et on peut orienter vraiment sa formation dans des voies complètement différentes en fonction de la couleur qu'on a envie de leur donner pour arriver à construire son propre métier de physiothérapeute, on va dire, ou en tout cas son propre travail. En salle fonctionnelle, ici à Delémont, en compagnie de Léana. Léana, vous êtes en première année de physiothérapie. Deux, trois mots sur votre parcours avant d'intégrer la Haute École Arc. J'ai un parcours assez classique, j'ai suivi l'école obligatoire. Après, j'ai fait le choix de faire le lycée. Ensuite, j'ai fait l'année propédeutique santé. J'ai du coup fait les tests directement pour entrer en physio et ça a passé donc. Je suis là. Ça a ouvert ici cette année. C'était déjà géographiquement pour moi bien parce que j'habite sur Neuchâtel. Et en plus de ça, le fait qu'on soit une petite volée, la première volée, ça me semblait être intéressant. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette formation? Puis peut-être qu'est-ce qui ne vous plaît pas? On a beaucoup de cours pratiques et on a du coup cette possibilité d'être dans des conditions réelles. On a la chance d'avoir un cadre enseignant vraiment génial. Ils sont à notre écoute, ils sont présents pour nous. C'est agréable de venir à l'école. Comment vous vous voyez dans plusieurs années? À terme, je me verrais bien travailler dans un cabinet en musculosquelettique. C'est quelque chose qui me donne envie, mais à voir par la suite. C'est ce qu'on verra. Merci Léane, bonne suite. Merci. Bien maintenant, c'est avec Gilles qu'on va parler un tout petit peu. Gilles, vous avez un parcours qui est une deuxième formation. J'ai déjà fait un bachelor à Neuchâtel en lettres, en sociologie et ethnologie. C'était pas assez concret pour moi et du coup j'avais besoin de premièrement un peu travailler à ce moment-là. Je me suis dit que j'avais envie de poursuivre une formation dans la santé, bosser avec l'humain, les voir évoluer dans le temps. Le corps, tout ça, ça vous parle parce que vous faites de la grappe, vous avez l'habitude du corps en mouvement. C'est une partie très importante dans la physiothérapie, d'étudier le mouvement, d'essayer aussi de comprendre comment améliorer certains mouvements en les décomposant. Et dans la grimpe aussi, ça se transpose super bien dans les poids du corps, dans l'équilibre. Et vraiment, les liens sont multiples. C'est la première fois que la Haute École Arc propose le bachelor en physiothérapie. Il y a les premiers étudiants qui arrivent. Comment on s'y sent? L'université, on est dans des amphithéâtres à plus de 100 personnes, voire même 200 personnes.
On est un peu plus des numéros. Ici, on est une classe de 25. On connaît tout le monde, on connaît tous nos profs. On les connaît même personnellement. On peut aller vraiment discuter. Si on a des questions, ils sont disponibles. Ce qui me plaît vraiment dans cette partie technique, ben, c'est la pratique et tout ce qu'on peut apprendre, les mécaniques du corps, ce genre de choses. D'un point de vue plutôt intellectuel, ben, c'est toutes les réflexions qu'on peut avoir par rapport à des évaluations qu'on peut faire, essayer de comprendre d'où peuvent venir certaines douleurs, comprendre quelle structure anatomique peut être touchée. Dans 3 ans ou plus, vous vous voyez où? Un des critères d'avoir choisi cette formation et ce corps de métier, c'est la possibilité d'être indépendant. Alors c'est sûr, on doit faire de l'expérience avant, mais après avoir fait cette expérience-là, on peut ouvrir son entreprise, faire son projet, quoi, réaliser son projet. Plutôt un cabinet en indépendant, c'est un peu ça mon projet, quoi. Très bien, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci. Dans 20 ans de boîte, nous accueillons Brigitte Bachelard et Cédric Fèvre qui reviendront sur ces 20 dernières années au sein de la Wootecol Arc. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater des actualités de notre école. Au fond, oui, c'est long, mais ça m'a semblé très court. Non, 20 ans, ça a passé tellement vite. C'est une école qui existe parce qu'elle est innovante. Alors, ce qui est valorisant, pas seulement personnellement, je pense, c'est d'avoir fait exister la marque Wootecol Arc. On a dû choisir le nom. Arc, ça pouvait être arc jurassien, mais pas seulement, on ne savait pas trop ce que ça représentait. Et aujourd'hui, moi, j'ai la fierté de me rendre compte que tout le monde connaît quand on se promène dans la région. Les journaux régionaux connaissent l'école, les étudiants, les parents. Ça a fait très marquant l'attaque informatique. C'est un arrêt complet de tout ce qu'on fait. Les priorités tombent. Un environnement qui change du jour au lendemain. La police a des spécialistes venus de Berne, de chez Switch, d'organes spécialisés. Et puis, il faut traiter ça en urgence extrême, quoi. Pendant la période du Covid, on a eu la chance d'avoir la visite du conseiller fédéral Alain Berset. C'était une période extrêmement tendue. On avait l'interdiction d'ébruiter sa venue pour des raisons évidentes. Et il venait voir comment on formait les étudiants en soins infirmiers. On a dû donc prévenir quelques étudiants en leur demandant vraiment d'être discrets. Et ils ont très très bien joué le jeu. C'était formidable. Certains médias ensuite se sont emparés de ça pour critiquer le conseiller fédéral en disant qu'il avait rendez-vous avec des mannequins plutôt qu'avec des vrais malades dans un vrai hôpital. Un collègue qui était parti en vacances, on est allé dans son bureau, on lui a subtilisé son clavier, pris un autre clavier défectueux, on a retiré les touches, on a bourré sous les touches de Watt, on a parsemé tout ça de graines, de gazon, on a remonté le clavier, on lui a remonté ça sur son poste et on s'est relayé tous les jours pour aller arroser notre petit bricolage. Et quand il est rentré de vacances, il s'est retrouvé avec un joli clavier, avec un tapis de gazon qui avait poussé dans son clavier. À ce qui prend fin à cette 3e émission de HR Contour consacrée à la physiothérapie, on vous donne d'ores et déjà rendez-vous le mois prochain. On sera au Siams à Moutiers.